Hello les gamers, c'est Yonix pour une vidéo de Call of Duty Black Ops 2. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un débat que j'ai beaucoup entendu sur YouTube en ce moment. Je ne le vole pas, c'est juste que je voudrais aussi en faire partager mes abonnés et autres. J'ai entendu beaucoup de débats à propos des filles et des gamers sur le jeu et sur YouTube bien sûr. Et je trouve un peu abusé que des garçons viennent, on va dire, faire des propos un peu sexistes du côté de tout cela. Et c'est un peu normal que je vienne en parler parce que en ce moment, faut savoir qu'il y a beaucoup de gamers et de youtubeuses qui commencent à jouer ou à faire des vidéos. Et je voudrais vous demander pourquoi de tels propos sont pris sur les filles. En fait, c'est que voilà, il faudrait arrêter de dire tout ça parce que les filles, on va dire, veulent jouer pour s'amuser et non pas pour se faire insulter ou autre. Et ça, c'est un peu abusé. C'est pas que les filles qui se font insulter comme les on va dire les garçons un peu plus petits, mais bon, ça on en parlera sur une dernière vidéo sur une autre vidéo. Mais les filles doivent un peu être dégoûtées par Call of Duty et autres jeux même, parce qu'elles se font insulter sur pratiquement toutes les autres plateformes, et ça c'est bien dommage. C'est pour ça que je l'ai envoyé à des chaînes communautaires pour en parler, parce que c'est très important d'en faire passer le maximum de messages pour faire partager l'insulte que les filles prennent, parce que je me demande pourquoi elles se font insulter, pas nous, parce que il y en a beaucoup de garçons qui les insultent sans raison. Mais et les gars, comme un pote l'a dit, pourquoi vous allez insulter les filles? Vous avez bien des je sais pas, des sites comme YouPorn ou des trucs comme ça. Pourquoi vous vous acharnez sur les filles? Attendez, mais on a je sais pas combien de temps là, depuis le 18e siècle, vous devez avoir plein de sites pour ça. Oh. Et il faut arrêter. Les filles sont là pour s'amuser et non pas pour se faire insulter, draguer directement. J'en ai vu beaucoup sur le PSN à se faire draguer comme ça, sans raison. Et ça commence à sérieusement m'énerver, parce que je sais que ça me, à dire que ça me regarde pas vraiment, mais ça m'énerve quand même, parce que les filles font pas tout ça pour comment dire, se faire draguer et tout ça. Elles font ça pour s'amuser. Alors s'il vous plaît, cette vidéo, on va dire, parlera plutôt de ça. Et s'il vous plaît, tous ceux qui sont dans mes abonnés, je vais vous demander de, comment dire, soyez indulgents avec les filles, parce que les filles sont là pour s'amuser, comme je l'ai dit je sais pas combien de fois. Et voilà. Alors peut-être vous allez me voir sur une chaîne communautaire, je vais l'envoyer à la community code, soit la Playin TV, la Revo Community FR ou code CF. Enfin, je vais le présenter à plusieurs chaînes communautaires, parce qu'il faut vraiment faire partager cette vidéo au maximum de gens, parce que c'est très important de parler de ça, parce que les filles deviennent de plus en plus nombreuses. Et je crois que ça risque d'aller mal sur la communauté, la communauté française, parce que faut savoir que pratiquement les autres pays n'ont pas ce problème, sauf le Canada. Enfin voilà, ça c'est un peu normal, mais bon, c'est pas un peu normal, non, c'est pas normal. Mais je comprends pas que la communauté française est toujours comme ça, à rager, à traiter. Il me semble que la communauté française devient la pire des communautés. C'est pas pour vous insulter, parce que moi aussi j'en fais partie, mais c'est juste qu'il faudrait se calmer un peu là, nous les Français, parce que les armes cheatées, il y en a pas sur Black Ops 2, il y en a pas. Bon, il y en a quelques-unes abusées sur MW3, mais il y en a pas sur ce jeu. Après le reste, comme
comme les autres choses qu'on peut rager. Par exemple, il y en a beaucoup qui ragent auprès des campeurs. Mais attendez, est-ce que sur la boîte de jeu, il y a écrit on n'a pas le droit de camper? Bon, ok, c'est pas très fair-play, mais s'il vous plaît, soyez indulgents. Parce que, par exemple, les Américains, c'est une bonne communauté parce que eux, je suis tombé déjà sur plusieurs Américains. Je leur ai envoyé des lots de stars et tout ça. Ils sont restés jusqu'à la fin. Et pourtant, je leur ai bien botté le cul. Enfin, désolé pour ce mot. Mais attendez. Oh, où on va? C'est pas pour le ratio qu'on joue. Ni pour autre chose. On joue pour s'amuser. Il faut bien s'en rappeler. C'est pour s'amuser. Alors moi, ce que je vous conseille, si vous voulez être un peu plus, comment dire, concentré ou jouer vraiment sans rager. Eh bien, faites des délires entre potes, je sais pas, inventez-vous des défis, c'est très bien ça. Ça peut même, à dire, vous amuser d'un côté et rigoler avec vos amis, c'est vraiment bien. Et il faudrait que plus de gens y pensent à ça. Comment dire, la communauté, on va dire, filles, je vais vous dire à mon avis ce qu'elles en pensent, parce que j'en ai parlé avec une de mes amies à l'école qui est, on va dire, geek, quoi. Et elle m'a dit qu'elle s'était déjà fait insulter plus d'une fois, et qu'elle en avait marre des jeux vidéo, et qu'elle voulait même arrêter. Alors moi, je lui ai dit, enfin, je lui ai conseillé de faire une chose que moi, j'adopte aussi pas mal de fois. Mettre les gens muets en face tant qu'ils sont pas dans notre équipe. Oui, je sais que ça peut être un peu difficile de les mettre muets parce que le problème, c'est que comment se faire des amis sur le PSN si on peut pas parler avec eux? Ben moi, je vais vous dire directement ce qui se passe, c'est que vous rentrez dans des teams assez fair-play. Je sais pas, c'est très sympathique. Par exemple, je sais pas, j'avais vu une vidéo aussi d'une amie, Efirt, vous avez dû la voir en vidéo avec moi. En fait, j'ai vu un peu sa vidéo et elle avait dit que elle s'était fait insulter par le PSN par des propos un peu, voilà quoi. Et j'ai écouté la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis, mais les gars, ils avaient rien dans la tête. Ça ne se fait pas de parler comme ça à des filles. Parce que les filles, on va dire, il faut être galant avec elles et être un minimum poli. Parce que, voilà, ça se fait pas, ça se fait pas. Draguer, ok, ça se fait. Mais attendez, pas sur les jeux vidéo. Vous avez, enfin, oui, bon, moi, ça m'arrive aussi de draguer des filles quand je les connais un peu. Voilà, ça arrive un peu à tout le monde. Mais, voilà, ça se fait pas trop de draguer juste sur un jeu vidéo. Sur un coup de tête, non, ça se fait pas. Il faut déjà être ami déjà avec la fille pour la draguer. Et non pas directement, je sais pas, frapper, enfin, comme dit certains potes à moi, frapper sur le mur avant qu'on lui ait parlé. Ouais, bon, ça veut à peu près rien dire, mais c'est, on va dire, une devise chez nous qui est très adaptée. Enfin, vous ne devez pas comprendre, mais moi je comprends très bien. Et le problème sur ça, c'est que voilà, il faudrait arrêter un tout petit peu. Ça se fait pas quoi. Moi, ce que je vous conseille, si vous voulez vraiment une fille, draguez-la et directement passer à la drague. Mais il faut pas directement y aller non plus, même si c'est des filles autres. Il faut d'abord devenir ami. Désolé, c'est un grand truc qu'il faut faire. Et en plus, draguer, il faut pas être sûr de l'avoir. Enfin, c'est un truc pour là. Bon, on va passer directement à autre chose. C'est que je dois vous parler du gameplay. Le gameplay a été fait par Thomas, un de ma nouvelle team Carnage. Et voilà. Si vous avez entendu quelqu'un derrière fond, c'est mon père qui est arrivé dans la chambre. Et le gameplay, on va dire qu'il temporise pas mal parce que sur cette, on va dire, map Nuketown, c'est assez dur de faire des gros scores si on temporise pas. Mais bon, je l'ai quand même pris parce que ma nouvelle team Carnage, il faut bien en parler.
J'y suis rentré depuis un certain temps maintenant. Je suis très content d'y être. C'est, on va dire, une team youtubeur en quelque sorte. Il y a Charlie Academy Touch. Bon, je vais pas vous dire ce que ça veut dire parce que ça risque, on va dire, choquer quelques personnes. Mais bon, c'est un très bon pote, il est très gentil. On peut pas, enfin, s'il y en a un qui veut rejoindre la team, non, c'est pas possible parce que les recrutements sont clos depuis un certain bout de temps. Et puis même Charlie n'accepte pas des personnes hors de ses abonnés. Voilà. Ben, notre team, ben, on va dire qu'on s'entend très bien, même s'il y a quelques trucs qui sont un peu dérangeants de mon côté. Il y en a certains qui me gonflent un tout petit peu. Mais bon, c'est pas très grave, de toute façon, tant que y a un minimum de choses qui peut nous canaliser, voilà, ça peut aller bien. Bon, j'espère que la vidéo va bientôt se terminer. Oui, dans quelques minutes. Et je dirais un merci à la Community Code, la Revo Community FR. Et bien sûr, sûrement, ouais, à ces deux chaînes communautaires parce que je vais pas l'envoyer à la Plugin TV. Au revoir tout le monde.